malgré la crise sanitaire qui réduit considérablement le flux de touristes étrangers dans le royaume et en particulier dans la province de Siem Reap, l'école d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrulle continue à former des jeunes à ces métiers. Ce sont des jeunes de milieux défavorisés et l'école Paul Dubrulle croit que cela vaut le coup et que les métiers de l'hôtellerie, du tourisme ou encore de l'avenir. L'école d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrulle est une ONG et l'initiative personnelle de M. Paul Dubrulle, cofondateur du groupe hôtelier Accor. Après un voyage en vélo de 8 mois et plus de 15 000 km parcourus de Paris à Siem Reap, M. Paul Dubrulle est arrivé à temps pour inaugurer l'école Paul Dubrulle le 24 octobre 2002. L'école propose 5 programmes certifiés par l'ASEAN et accrédités par le ministère du Tourisme, restaurants et bars, arts culinaires, pâtisserie, hospitalité et agences de voyage. En plus, l'école Paul Dubrulle propose depuis 2016 un diplôme de gestion en hôtellerie avec le soutien de l'école hôtelière de Lausanne en Suisse et le groupe hôtelier Accor. Aujourd'hui, le réseau des anciens est représenté par plus de 3365 Cambodgiens. J'ai enseigné en Cambodge parce que j'adore Cambodge et je pense l'école Paul Dubrulle, c'était de l'unique. Et d'étudiante aussi d'unique. Et j'adore la vie en Cambodge, et les cultures, les personnes. J'ai enseigné en divers pays parce que Siem Reap c'est spécial. Et ici à l'école Paul Dubrulle, c'est aussi spécial. Et j'adore ma travail ici. Le gouvernement royal a annoncé un plan de développement qui prévoit la construction de routes et de diverses infrastructures dans la province de Siem Reap. Si personnellement vous voulez soutenir l'école d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrulle, n'hésitez pas à aller manger dans ce restaurant d'application, ouvert le midi, route nationale 6. Yann, province de Siem Reap, saapodamien.com.